Mais c'est incroyable, je suis diplômé et j'ai toujours pas de job. Angie, c'est un truc d'électricien, ça, c'est pas pour moi. Angie, c'est pour les électriciens. Petit, tout est mal informé. Harry Potter, dis-lui. Non, Angie propose une multitude de métiers. Ingénieur, technicien, chargé d'affaires, et j'en passe. Ah bon? Je savais pas. Ah bon? Angie, je savais pas. Mais vous êtes qui, en fait? Nous sommes les 3T, coach personnel pour la réussite et l'insertion par le style. Ça fait combien de temps que tu cherches du travail? Oula, depuis 7 mois. Alors notre mission commence aujourd'hui. Premier point. Pour réussir un entretien, tu dois d'abord soigner ta présentation. Te souviens-tu de ta tenue à ton dernier entretien? Mais regarde-moi ça! Mais c'est quel accoutrement ça? Jogging en fibre de pyjama fatigué, t-shirt froissé, basket, mais c'est une erreur grave! À partir de maintenant, tu t'habilleras de la sorte à tes entretiens. Wow, trop bien! Aïe aïe, les sombreros! Carton rouge. L'arbitre a raison, un sombrero c'est trop. Plutôt comme ça. Là, c'est mieux. Autre point dans la présentation, tu dois soigner ton langage corporel. Avaché comme ça, ton corps il dit quoi? Il dit que tu ne veux pas travailler. Il dit même que tu es amateur de sommeil prolongé. Ton corps te trahit. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes là pour t'aider. La prochaine étape sera le CV et la lettre de motivation. Tu es un homme. Pardon? C'est quoi ton problème? Ça sent mauvais dans ta bouche? Un CV doit être précis, concis et doit aller vers l'essentiel. Dans ta lettre de motivation, il faut que l'on sente que tu veux travailler. La lettre doit déjà sentir la sienne. Tu comprends? Ellie, donne-nous un exemple de lettre de motivation. Voici la lettre de motivation que j'ai envoyée à Angie pour le poste de commercial. Nom, Ellie Kitenge. Âge, 32 ans. Objet, lettre de motivation. Lecture. Madame, Monsieur, je suis... Motivé. Et ensuite, j'ai signé. Veuillez agréer, mesdames, messieurs, ma motivation distinguée. Et alors, ça a marché? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, les recruteurs savent que je suis motivé. La motivation. Ça, c'est la motivation. Motivé. Qui peut être plus motivé que lui? Tu vois ça? Premier dino, seconde, prenez. Voilà. Nous t'avons donné les clés pour réussir ton entretien de demain. Mais quel entretien? Oh, mais tu n'es pas au courant? Nous avons réussi à t'obtenir un entretien en tant que chargé clientèle chez Engie. Mais Engie font que de l'énergie. Oh, mais combien de fois on va te dire, ils ont tous les métiers là-bas, mais toi aussi tu comprends pas. C'est vrai ça? Oui. Cool. Quelqu'un peut claquer des doigts maintenant? Oh, la classe. Quelqu'un peut claquer des doigts? Je crois que je vais être en retard. Wouah. Super les gars, merci hein. Ah, ce petit va me manquer. Le style est en toi. Va conquérir le monde, va. Ouais, bon bah si, décroche le job, c'est déjà bien. Mais j'y crois pas. Même avec mon diplôme, j'arrive toujours pas à trouver un job. Angie, mais c'est pour les électriciens ça. Et ça marche aussi pour les filles.